aujourd'hui une petite vidéo parce que j'ai reçu la T-Box du mois de juin qui est spéciale Brésil. Vous voyez, le packaging est très joli ce mois-ci. Bon, je l'ai reçu dans un carton habituel, hein. Je vous montre rapidement comme ça. Mais je l'ai enlevé parce qu'à la dernière fois j'ai trop galéré pour l'enlever. Voilà. La T-Box avec le drapeau du Brésil. Vous voyez. Marqué du Brésil. Et le petit mot derrière, que je vais vous lire, si j'arrive à vous lire bien comme il faut. Batucada, samba, l'été sera do Brésil. Do Brésil. Moi et l'anglais. Déhanché, rythme saccadé, petit pont chaloupé, la T-Box vous invite à une pause rafraîchissante entre Copacabana et Salvador de Bahia. La grande fête mondiale a commencé, le thé se réinvente en vert et jaune, un brin sportif surtout tropical, joyeux, palpitant, des rayons de soleil à infuser, des paillettes plein les papilles, le sourire aux lèvres et les yeux qui pétillent. Entre défilés à plumes et balades langoureuses, la T-Box do Brésil se décline en cocktail glacé, en mélange énergisant et en thé suave et sensuel comme un air de bossa nova. Voilà, ça a l'air très appétissant tout ça. Alors on va l'ouvrir. Elle est belle, hein. J'avoue qu'elle donne envie. Alors, oui, je confirme. Alors, je vais vous montrer comme ça, ensemble, si vous faire tout valser, parce que c'est ma spécialité, comme il y en a qui me connaissent un peu. Voilà, ça se présente comme ça, très coloré, et vous voyez, la page est très jolie, on voit des femmes danser. Et voilà, avec un ballon de foot, des palmiers, elle est très très belle, très colorée. Voilà, j'arrête, j'ai rien fait valser pour le moment. On va pas tenter les cartes. Alors, des petites cartes postales, comme on en reçoit à chaque fois. Brésil. Voilà, spécial Brésil. J'en ai une avec un petit ballon. Vous la voyez. Hop. Une avec des ananas. Voilà. Je prends un bon ordre, ça ira mieux. Et avec, comme la page de garde, je crois, oui, comme ça, avec une danseuse, un ballon et des palmiers, très très belle, très très colorée, moi j'adore en tout cas, très estivale. Voilà, alors avec ça, nous avons le petit cahier des saveurs, avec toujours le petit cahier explicatif, très coloré aussi, du Brésil, avec le petit édito. Bon voilà, on va commencer par vous montrer ce que j'ai, hein, ce qui nous intéresse. Alors j'ai du thé en vrac. Préparation parfumée pour infusion carcadé samba. Voilà. Petit thé en vrac. Thé samba. Samba est un joyeux mélange de fleurs, d'hibiscus, de morceaux de pommes d'écorce, de cynos rondons et d'oranges parfumées aux arômes de mangue et de fruits tropicaux embellis de pétales de fleurs. Ça a l'air délicieux. Alors après, j'ai samba ananas poivré. J'arrive à le prendre dans l'ordre. Je crois pas que je vais y arriver. Avant, je vais... Bon. On va le faire dans l'ordre que j'ai. Alors, j'ai un petit thé en vrac qui est du sud. Voilà. Avec un petit drapeau brésilien. Qui est du sud, produit gourmet. C'est du maté de chamarrao. Maté vert, symbole de convivialité, de partage. Le maté vert est consommé sous forme d'infusion depuis des milliers d'années en Amérique du Sud. Ingrédient maté vert du Brésil. Voilà. Avec en bas à combien il faut l'infuser, c'était en vrac aussi, très très sympa. Avec ça, j'ai Mango Tango. Voilà, papaye, mangue, raisin, hibiscus, pétales de tournesol et arôme. Infusion Lagrange, lagrangedirect.com. Voilà, j'ai avec ça des amandes, yaourt, citron vert. Agrémenté, distribué par la T-Box. Voilà.
J'ai du maté brésilien en vrac aussi. Alors, c'est infusion traditionnelle au Brésil, plante stimulante et cardiotonique, remplie de vitamines. Lagrangedirect.com, toujours. Après, j'ai rooibos, la route des comptoirs, tropical, gingembre, orange, abricot. Toujours dans des teintes orangées, comme vous voyez. Voilà, composition rooibos, je ne sais pas comment vous dites, R-O-O-I-O-B-O-S. Copeaux de gingembre, huile essentielle d'orange et arôme naturel d'abricot. Voilà, j'ai des petits biscuits en forme de cœur. Il y en a un qui s'est cassé. Et un cœur. Avec un coffre, on dirait, dessus. Voilà. C'est les Godelis, du sablé nature, au beurre, au sucre blanc. GGG, Arnais et Son. Voilà, qui est un petit sachet de thé. D'ailleurs, il est très joli, un petit coquillage. Alors, c'est Sérène Caribe, Green Saveur, thé noir. C'est une petite dosette. Arnais et Son, Master Tea, Blenders. La classique Specialty Blends, unique et pas commun. Voilà, j'en ai un comme ça en classique. J'ai un KCT Caribe. Et là, j'en ai un Pomegranate Oolong. C'est un Tikanyin Oolong infusé avec du pomegranate. Voilà. Tout en anglais derrière. Et j'en ai un troisième. Arnais et Son Master Tea Blender, c'est classique. C'est celui-là, Organic and Picked Green Tea de Chine. Voilà, très joli emballage aussi. C'est toujours une dosette avec des jumelles derrière. Là. Et avec ça, j'ai trois petits palais de Chine. J'ai palais des thés, pardon. Thé désalisé. Voilà, thé désalisé. Qui est le thé fruité à la pêche. Voilà, j'en ai un autre thé des songes. C'est un oolong aux fruits exotiques et aux fleurs. Et palais d'été, vive le thé. Voilà, une petite dosette. Écoutez, et voilà, j'ai tout fini. Très très jolie box à thé, ce mois-ci. Je trouve très jolie, très colorée, très parfumée. Hâte de découvrir tout ça. Je vous fais un bisou, puis à bientôt. Je vous mettrai le lien de la thé box dessous. Les oiseaux qui chantent, c'est le printemps. Allez, bisous, à bientôt.